un blaireau parce que dans l'histoire, en fait, il y a justement un blaireau. Bon, il y a aussi un cerf, il y a aussi des renards, il y a plein d'animaux, puisque comme le titre le dit, ça parle des bêtes. Mais il y a particulièrement un blaireau qui est assez rigolo. N'importe quel village en montagne, que dans les Alpes, parce que justement, il n'y a pas un. J'ai pas voulu installer l'histoire dans un lieu précis. L'amitié. Parce que ça tourne autour de ça quand même, ça tourne autour d'une amitié extrêmement forte entre les deux personnages principaux.